Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Sandrine, bonjour. Bonjour, ma chérie. Sandrine Bozzini, une curieuse de depuis mes débuts, fidèle, libre d'aller où elle veut. Trèfle à quatre feuilles, bonsoir, 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 trèfle à quatre feuilles. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une très bonne journée. Moi, je vais assez bien. Bon, connectez-vous, connectez-vous, que chacun fait son boulot. Je ne vous dis plus quoi faire. Comme c'est le Japap. Merde, qu'est-ce qui s'est passé ici, là? Oh, qu'est-ce qui s'est passé de ce côté-ci? Chacun connaît son boulot qu'il doit faire. Moi, devant la caméra et vous, dans les boutons de partage. C'est de ça qu'il s'agit. Vous, dans les boutons de partage. Moi, devant la caméra. C'est le Japap de haut niveau. Le Japap du gigolo et de sa pimentière. Bipez-moi à Tangana. À Tangana, j'étais défendu, hein. Quand vous avez la mémoire courte, après on m'a dit que oh Élise est bipolaire. Oh Élise, je ne suis pas bipolaire. C'est que je ne parle pas comme tout le monde, que je ne suis pas un mouton qui suit le mouvement. C'est ça qui est ça. Je ne suis pas un mouton qui suit le mouvement. Ce qui fait que quand je prends mes décisions de défendre quelqu'un, je défends quelqu'un, j'y mets corps et âme. À la base, j'ai clashé Michel Essomba ici, là. Parce que j'en avais marre qu'elle vende son couetou pour nourrir Nrenga. Vous êtes tous témoins. Brigitte Abeur, ma mère chérie d'amour. Love you too, m'a dit moi. Donc, vous êtes tous témoins qu'à la base, quand j'avais clashé Michel Essomba ici, je lui ai dit que c'est indigne d'une femme bêtise, une digne fille et cambétie comme toi, que tu peux pimenter pour nourrir une autre femme. Je ne suis pas d'accord avec toi. Maman, j'ai mis les organes. J'ai mis le foie. J'ai mis l'estomac. J'ai mis le pancréas. J'ai mis le gros intestin. J'ai mis les petits intestins. J'ai mis le petit intestin, l'intestin qui va jusque derrière là. J'ai mis la bile, j'ai mis tout. J'ai mis le cœur dans le clash là. J'ai mis tous mes organes dedans. Comme on dit chez moi, que est-ce que ça peut être vrai qu'une femme qui vit en Europe pimente pour nourrir une autre femme? Je vous jure, c'est tout ce qui m'est cher, que je pouvais. Si on me mettait Michel et son mari, je l'ai traqué. Et je l'ai traqué que. Si on me mettait Michel et son bas devant moi, j'allais étrangler la fille là de mes propres mains. Mais, comme Dieu n'oublie jamais les pleurs de ses enfants, au jour d'aujourd'hui, ça a tcham entre Michel et son bas et Ngrenga. Ça a tcham où la réunion a fait comment à Rouen. Michel et son bas est quitté, elle est partie bouffer la réunion là-bas. On dit qu'elle a bouffé jusqu'à 15 000 euros. Moyen. Pourquoi j'ai oublié même pas ouvrir là? La mère de Manu, la mère de Naël et Océane. C'est comment? Ma vienne à prénom, ouais. Ok. La mère de Naël, pardon. Écris-moi un peu ton prénom là que je me souviens. Et Justine.
Non, j'oublie. Bref. Donc, il paraît qu'elle allait bouffer 15 000 euros. Elle n'a rien donné à Ngrenga. Donc, ça a tchan. Ngrenga, je ne suis pas sur toi pour l'histoire de tontine là. C'est un live que je ferai une autre fois par rapport à ça. Pour l'instant, je ne suis pas sur ça aujourd'hui. Ce n'est pas de ça que je voulais parler. Je veux parler d'Atangana. Un jean fils et quand au nom de monsieur Atangana. Yeuille, mon frère. Façon que j'étais défendu ici. Tout le monde a vu. Façon que j'ai pris ton parti ici. Tout le monde a vu que Michel est venu fuir le mariage. Hors de question qu'elle retourne dans son mariage. Si possible, qu'elle récupère même le kaolo. Tu te lèves hier soir. Moi, je n'étais pas connecté. Tu te lèves, tu fais un direct. Je dis, Mbensi rend les hommes. Mbensi vous rend comment? Vous les hommes de Mbeng. Qu'est-ce qui vous arrive? Je vais m'adresser à toi personnellement. Qu'est-ce qui vous arrive, vous les hommes de Mbeng? Jusqu'à tu mets la caméra pour venir décortiquer la vie d'une femme qui a partagé ta vie, ta couche, ton lit. Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai été, alors, dessus. Je dis que, mais ce n'est pas la Tanganasi que j'avais défendue ici. Ah non, il va entendre parler de moi. Une femme. Une femme à Tangana. Une femme. On t'a fait avec, accompagné du pipi. Une femme. Mais je dis, tu mets la caméra pour venir parler des histoires de la femme qui a partagé ta vie et tu crois que moi, Elise, je vais te défendre. Ah non, 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 non. Je n'aime pas les hommes toc-toc. Il faut venir prendre des couches pour fumer. Je n'aime pas les hommes qui parlent trop. Un homme est fait pour que être discret. Les hommes, prenez votre place de homme. Aujourd'hui, je me rends compte que tu es la cause du départ de Michel et Somba dans tes mains. Tu es la cause du départ de Michel et Somba. Si Michel et Somba est parti, c'est de ta faute. C'est de ta faute. Parce qu'un vrai homme protège sa femme contre vents et marées, même contre sa propre famille. C'est ça qui est ça. Un vrai homme protège sa femme même contre sa propre famille. Tu dois protéger ta femme. Tu viens nous parler que Michel et Somba est une vendeuse de piment. Qui l'ignore? Qui ignore que Michel et Somba vendent le piment? Tu sais à quel âge Michel et Somba commencent à vendre le piment? Peu importe l'homme qui viendra dans la vie de Michel et Somba, je ne suis pas sûr que ma soeur là va arrêter de vendre le piment. Toi, tu arrives, tu l'as connu ainsi. Nous tous, nous savons que c'est comme ça. Tu l'as accepté. Tu as dit que Madino, elle t'a regardé comme ça. Elle a dit que, un homme qui m'aime tel que je suis, mieux j'accepte. Tu as dit que Madino, elle a accepté ton Madino. Tu es parti l'épouser. Tu as levé tes deux pattes. Tu es parti l'épouser. Maintenant, tu veux faire passer ça comme si c'était, comme si tu comme si c'était de la mendicité, quoi. Comme si elle mendiait ton amour. Comme s'il fallait à tout prix que tu la sauves. Mais mon frère, ta sortie d'hier n'était pas digne de toi. Tu es un homme sans couilles. Dis que moi, Elise, je te mettais en haut. Je te mettais en haut ici sur les réseaux sociaux. Tout le monde a vu. Il a dit que voilà, enfin un homme. Pourquoi ils sont quitte le gars si? Il a l'air d'être encore amoureux. Il a l'air vraiment, par rapport à tout ce qu'il nous dit là, on dirait qu'il veut juste qu'on arrange le mariage avec sa femme. Dia, tu voulais venir devenir blogueur des histoires pour raconter ta vie privée. Toi et Otam, vous êtes devenus, comme Otam t'a donné le courage, l'attacheur là. Otam t'a donné le courage qu'il va devenir blogueur. Toi aussi, tu as couru. Tu es même parti jusqu'à. Tu es parti jusqu'à dans les pages à Kongosa. Les pages à Kongosa.
tu pars répondre au faux profil. Mon frère, laissez les femmes jouer leur rôle sur les réseaux sociaux. Je suis allergique à ce genre d'homme. Laissez les femmes jouer leur rôle sur les réseaux sociaux. Comment un digne homme comme toi peut venir mettre sa caméra pour raconter ses débois sexuels avec son ex-femme? Mais je dis, on ne t'a pas conseillé. Ta famille là, tes tantes, tes soeurs et tout le tralala qui t'entoure là, ils ne t'ont pas conseillé qu'un homme n'agit pas comme ça. Un vrai digne fils bantou, un vrai fils petit, un étang dans la splendeur qui va avec. Naya, Akio samedi. Mais je dis, hein, Akio samedi, c'est quel genre de honte que vous aimez foutre aux gens? Après, vous voulez qu'on vienne, on vient passer l'éponge, on vient ramasser les... Non. Jusqu'à tu viens parler de que, oh, le SIDA est monté, les cartes lettres est monté, où on va venir SIDA. On a encore fait les postes là-bas. Quand on dit que c'est la bouche de l'homme qui tue l'homme. Tu as parlé que oh, le SIDA qu'elle a sur les papiers n'est pas vraiment fondé, c'est monté, c'est descendu. N'est-ce pas? On t'a dit là-bas. Quelqu'un d'autre est sorti pondre les postes à ton égard. Quelqu'un apparemment qui te connaît bien. Que c'est, elle peut avouer que c'est toi qui lui as refilé la maladie des quatre lettres. Tu vois alors? Maintenant, tu vas te coller une étiquette qu'on ne connaissait pas sur ton dos. Est-ce que moi, Élise, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, si, quand je te supporte, est-ce que je connaissais cette phase-là? C'est toi-même qui as pris ta caméra. Tu es venu t'asseoir pour nous raconter ta vie avec Michel Essoba. Oui, tu l'envoyais, tu l'accompagnais vendre le piment. On t'a pas attaché. C'est comme ça que vous êtes, vous les hommes d'aujourd'hui là. Vous les hommes, si. Tu viens, tu ramasses la fille d'autrui dans son mouvement, dans ses choses. Tu es incapable de lui faire changer la vie. Est-ce que qui te dit que tu es le premier homme qui épouse une pimentière dehors? Attends là. Qui te dit que tu es le premier homme qui épouse une pimentière dehors? C'est un homme qui enlève sa femme dans le piment. Que ça suffit. Un vrai homme met sa femme à l'abri que moi je t'ai aimé. J'ai aimé la femme que tu es. C'est à moi de te faire arrêter ça. Tu as tenté. Et tu n'as pas réussi. Attendez. Je vais chauffer le lait de bébé. Pardon. Je suis même là. J'abois. Ma part de responsabilité me guette. Attendez, je suis avec vous. Ah, Justine. Tu n'as jamais supporté le... Moi, je l'ai supporté. Je l'ai supporté parce que je voulais qu'ils se remettent ensemble. Je trouvais que c'était un beau couple. Ils ont traversé plein d'étapes. Moi, je voulais qu'ils se remettent ensemble. Mais hélas. Hélas, je ne savais pas aussi qu'il était aussi comme ça. Hein? Femme, il y a comme qu'il y a nous. Un homme ne part. L'homme écoute. Analyse et après se prononce. Toi, tu es papa toc-toc. Mais attendez un peu. Pourquoi vous nous faites honte comme ça? Tu viens parler de tes débats sexuels de ton ex-femme sur les réseaux sociaux. Et tu crois que moi, Élise, je vais venir t'applaudir parce que tu es qui? Tu es un sous-homme. Je t'ai vanté un petit amour, mon énergie. À la bataille. De façon que j'ai vanté le gars ici. Façon que je l'ai supporté que hors de question, Michel et Soma, tu vas que sauf que rentrer dans le mariage là. Donc c'était pour que tu viennes me déposer au carrefour comme tu m'as déposé ici. Hein? Voilà. Le déposage du carrefour de ça. Oui. Vous aussi, vous êtes là, vous ne me dites même pas que le biberon a trop chauffé. Voilà ça que c'est trop chaud. Eh, I know. Élise, tu m'as rien, maman. Tu n'as encore pas fini de voir le voilà dans la vie de tes enfants et de tes enfants. On va quand même essayer. Ça refroidit un peu.
biberon là. Le biberon du soir, le bébé mange. Je me sers. Je bois un bon vin, je bois du chignon ce soir. J'ai mangé, j'ai déjà mangé accompagné de mon mari. Maintenant, je bois du chignon. Bon vin. Je suis la seule à boire. Pas à fumer, pas à le vin. Moi, je bois le vin. Ça me calme même. Chantal, bonsoir. On ne chauffe pas Bibi dans le micro. Ça donne le cancer à bébé. Mon frère, c'est un homme, c'est Rita. Rita Mbia dit qu'on ne chauffe pas le Bibi dans le micro. Mamie, à l'époque, l'air révolu. Beaucoup de mamans, quand on te dit qu'on met dans le micro, vite fait, bien fait, tout le monde est content. Comme vous gobez tout ce que les blancs vous disent. Là, dans le concert au bébé. Tu as participé aux études. Hein, Rita? Tu as participé aux études de cancer de micro-ondes au bébé. Comme le blanc a dit. Tu as gobé. Tu dis. Moi, je chauffe. Et je ne suis pas la seule à chauffer. Pardon. Gardez ça pour vous. Ne chauffez pas pour vos enfants. Je chauffe pour la mienne. Les beyemes aussi, hein. Trop de beyemes dans Facebook aussi. Comment on vous a dit qu'on ne chauffe pas le biberon? C'est du fer. Mais pourtant, vous mettez votre café dedans. Pardon, donnez-moi quelques minutes. Ça refroidit, je m'avais donné là-bas. Il a fini de faire chauffer. Oui, bah, il a trop chauffé. Hein. Il a trop chauffé. Oui. Elle réclame déjà. Ah, juste. Ouais, chauffer, non. Moi, je chauffe. J'ai chauffé pour tout le monde, d'ailleurs. Je chauffe. Ça refroidit. Attendez, je suis à vous. Tant que le biberon s'y retourne où il est venu, il a trop chauffé. Pourtant, je n'ai pas mis longtemps. Hein. Et bébé, ma, quand son biberon est chaud, elle ne boit pas. Attends, là, tu es un sous-homme. Maman, les éloges que j'ai donnés à ce gigolo, maintenant je reconnais que tu es un vrai gigolo. Hein. Maintenant, on reconnaît que tu es un vrai chicolo. Tu pleures ton portefeuille. Vous êtes comme ça. Vous arrivez dans la vie d'une femme. Tu la trouves dans ses fonctions. Tu n'es pas capable. Michel et Soba tapé 5 ans avec toi. J'ai dit que la fille là, quand tu es quitté du mariage, tu es sortie de la maison là avec quoi? Elle est sortie de chez toi avec quoi? Qu'est-ce que tu peux bien nous dire que tu lui as fait d'extraordinaire en dehors de dire que tu l'accompagnais vendre le piment? Toi-même, un homme digne de ce nom, quand toi-même tu peux te lever, accompagner ta femme, vendre le piment dans ta tête, est-ce que c'est normal? Dans ta tête, est-ce que c'est normal? Tu ne pouvais pas juste lui laisser aussi aller faire ces choses et revenir ni vu ni connu. Mais tu es un vicelard, hein? Tu es un vrai vicieux. On dit que tu as une autre femme dans ta vie. Attends. Actuellement, tu as une autre femme, comme les femmes sont aussi, comme elles sont. Actuellement, tu as une autre femme dans ta vie. Hein? Qu'est-ce qu'elle dit? Celle que tu as là dit quoi? Que tu es toujours derrière les fesses d'une autre, de ton ex-femme. Celle que tu as à la maison, elle dit quoi de cette histoire? Ça ne la frisque pas. Moi, personnellement, si c'est moi qui, c'est mon tour qui est là, tu es tout le temps derrière les femmes, les fesses de ton ex-femme, même si tu vas même d'abord prouver quoi à qui? Tu vas prouver quoi aux gens? Tu as épousé une femme
C'est une pimentière. Tu n'as pas pu l'enlever dans le piment. C'est toi qui es fautif. C'est toi qui n'as pas su montrer ton charisme d'homme auprès de Michel et Soba. Il y a plein de petits boulots ici, même si elle n'est pas allée à l'école, même si elle a été habituée à toucher beaucoup d'argent, dès le départ, tu allais imposer que c'est toi, moi, soit ton job. Tu as fini de presser, sucer la fille de Cruy comme une canne à sucre. Ce n'est pas que je porte tellement Michel et Soba dans mon cœur. Hein. Mais bon, si elle a maintenant vend son couetou pour elle-même, moi ça me va. Mon souci avec Michel et Soba, c'était qu'elle vendait son piment pour nourrir Ngrenga. C'était le seul souci que j'avais avec celle-là. C'était le seul souci que j'avais avec elle. Sinon, le reste là, toi, Tamana, ta sortie d'hier, franchement, elle est petite. Hein? Elle est petite, ça t'a déshonoré aux yeux de beaucoup de personnes. Hein? Parce que tu attends quoi? Tu crois que tu vas dénigrer une femme qu'on connaît déjà que c'est son truc? Elle au moins fait, elle assume. Elle fait, elle assume. Tu vas encore venir dénigrer quoi que nous-mêmes on sait qu'elle est. C'est son comme ça. Hein? Elle fait, elle assume ce qu'elle est dans sa vie. Elle ne le cache pas. Elle le dit haut et fort à qui veut l'entendre. Les gens spéculent dessus. Mais toi alors qu'il est épousé dans ça, tu as fait quoi pour qu'elle quitte dans ça pour être une femme digne de toi? Tu n'as rien fait. Et bizarrement, comment ça se fait que tu la diabolises comme tu la diabolises là? Mais elle n'est pas célibataire, elle est dans les bras d'un homme. Ça veut dire qu'elle a quand même quelque chose que beaucoup de femmes ne peuvent pas offrir dehors à certains hommes. Oui, oui. Au jour d'aujourd'hui, elle est dans les bras d'un autre homme, à Tamana. Tu as vu la discrétion? Sauf si lui-même aussi va venir encore demain mettre la caméra. Allez. Vous aimez entendre que vous cherchez la Stamania. Même où un homme ne peut pas faire la Stamania, tu viens, tu fais la Stamania. Comment tu peux venir là? Tu laves ton ex-femme. 5 ans de mariage. Tu mets la caméra, plus de 1000 personnes qui te regardent. Tu as alors gagné quoi? Après ce vacarme que tu as fait à mon frère, tu as gagné quoi? Elle a quitté le gars Banemba. Il faut savoir prendre la hauteur, montrer que tu es un homme. Moi, je pensais vraiment que tu étais un homme. Mais je vois que tu as une couille molle. Donc, Michel et Soba, mets la perruque. Toi-même, mets la perruque, attends là. Mets aussi la perruque, tu vas pimenter, si c'est facile. Mets la perruque parce que tu te comportes vraiment comme si tu étais sa rivale. Tu ne te comportes pas. Tu n'as pas le comportement d'un homme qui a partagé sa vie. Tu as le comportement de sa rivale. Je m'en vais chercher une perruque. Pour toi. Tu vas sauf que porter la perruque. Les travestis sont au bois de Boulogne partout là. Toi aussi tu peux faire ça. Si tu aimes tellement l'argent. Tu peux aussi aller porter la perruque et aller au bois de Boulogne. Mais c'est quoi avec vous? C'est quoi cette façon d'agir là? Et tu viens, les gens sont là, ils envoient des cœurs, on te félicite. C'est-à-dire qu'on te félicite de venir dénigrer une femme que tu as épousée. Ce n'est pas le vieux orage, ce n'est pas le vieux on reste de Pipito. Hein? Ce n'est pas le vieux, 12 ans de vieux on reste. Ce n'est pas le vieux on reste. Marié légalement. Reconnu devant l'État français. Oui, oui, tu l'as épousé. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas le vieux on reste. Ne confondez pas tout. Il y a le vieux on reste qui est là. Et il y a épouse de Madame Atangana. Elle a porté ton nom. Elle
elle a porté ton nom. Tu te lèves du jour au lendemain, tu mets ta caméra, tu clashes une femme que tu as épousée, tu la dénigres plus bas que terre, tu la traites d'avoir les quatre lettres pour après venir dire que non, ce n'est pas ça, c'était du faux. Mais attends, tu n'es pas parti à l'école, mon frère. Tu n'es pas parti à l'école. Tu as quel niveau d'études? Tu as quel niveau scolaire? Restons même au primaire. Même au primaire, les gens réfléchissent. Je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi aujourd'hui, tu étais marié à ta femme. Tu étais marié à Michel Essoba. Mais une autre femme dehors gérait ton couple. Ngossa, Mrenga, gérait ton couple. Alors là, tu n'as pas de couilles. Tu ne peux pas être marié à une femme. Une autre femme dehors, la copine de ta femme, soi-disant, gère ton mariage, mange ton argent, essuie la bouche, tire ta femme à gauche, tire à droite. C'est juste parce que tu as vu. Tu as vu le nouveau là, non? Elle est partie bouffer la tontine là-bas. Le gars a dit que porte la mallette, on va niche. Qui est Ngrenga? Ngrenga, c'est qui? Toi, tu n'as pas été capable de chasser Ngrenga dans ta vie de couple. Tu n'as pas été capable. La fille était dehors, elle commandait ta femme dans ton foyer. Commandait. Envoie-moi 1000 euros. Envoie-moi 2000 euros. Achète-moi les lunettes. Je tape sur ma poitrine. Si j'ai faim, elle va donner. Elle doit donner parce que j'ai faim. Maman, moi, Élise, ici, j'ai resté ici, là. Il fallait voir comment mes cheveux se grinçaient. C'est-à-dire que même jusqu'aux cheveux de mes poils pubis se grinçaient debout comme ça, là, que je dis que, mais, c'est quelle femme, ça? C'est-à-dire que une fille est dehors, elle commande une autre femme qui est dans son foyer que va me chercher l'argent. Elle se bat tontinait pour Ngrenga. Elle tontinait pour elle. Elle tontinait pour Ngrenga. Elle a bien Ngrenga. Elle a bien sa fille. Elle payait ses factures. Elle lui payait à manger. Elle remplissait. Et toi, tu étais marié à elle pendant 5 ans. Tu es quel genre d'homme? Parce qu'il y a un homme et homme ici dehors, mes chers frères et sœurs. Ne voyez pas le dehors que vous entendez si vous voyez un homme beau, costard, cravate, un peu grisonnant, avec la barbe du troisième jour. Vous croyez que c'est un homme. Mettez-lui la perruque. Mais vous allez voir la rivalité de ça. Je ne m'attendais pas à ça avec toi. Et si je fais ma sortie ici, c'est pour te faire comprendre que un homme dans tout, je te dis que Bible, tu viens et qui dort. Il y a une femme qui 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 a une femme. Tu as vécu une histoire avec elle. Elle est partie. Boucle-moi là. Croise-moi ce qui te sert de paire de couilles. Et tu la boucles et tu passes à autre chose. Si c'est venu nous faire présenter un spectacle comme tu essayes de nous faire là, nous ne sommes pas d'accord avec toi. Moi personnellement, je ne parle pas pour les autres, je m'en fous des autres. Je parle pour moi que je vais te dire que je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi. On ne fait pas ça. On se marie, on se met ensemble, le mariage est fini, chacun pense à l'autre. Mais par rapport aux réseaux sociaux, tu viens te faire tout petit. Un homme qui se fait petit comme tu t'es fait là. Tu as fini la vidéo, tu as gagné quoi? Le ridicule de ça. Même les gens qui n'avaient pas de l'empathie pour Michel Essoba vont avoir de l'empathie pour elle. Pourtant, à la base, moi, perso, je n'avais aucune empathie pour elle. Ou aucune, ou aucun. C'est vous qui connaissez. Je n'avais aucun. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai de l'empathie pour elle. Parce que je vois une femme que malgré tout ce qu'on peut dire, malgré la diabolisation que vous voulez faire d'elle sur les réseaux sociaux,
Je vois une jeune dame, une femme qui veut s'en sortir, qui veut croire à l'amour, qui veut croire à un homme qui va faire changer sa vie. Je veux dire changer sa vie, qui va peut-être lui faire quitter le monde de Waka pour qu'elle se concentre dans son foyer et pourquoi pas, et pourquoi pas, et pourquoi pas, plein de choses. Toi, tu es venu dans la vie de Michel Essoba pour venir manger ta part. Tu as mangé, tu t'es essuyé la bouche. Tu dis qu'elle t'a laissé des crédits et des crédits. Prouve-nous. Maintenant, on veut les preuves, on ne veut plus le tapage de bouche. Tu te comportes comme un mari jaloux. Tu te comportes comme un homme qui aime encore sa femme, mais qui regrette ses fautes. Si tu avais protégé ta femme dans ton foyer, elle ne serait pas où elle est là aujourd'hui. Une femme, peu importe tout ce qu'on peut dire. Je dis bien que peu importe tout ce qu'on peut dire. Une femme dans un foyer, si elle ne se sent pas aimée, si elle ne se sent pas désirée, si elle ne se sent pas protégée par son mari, elle va partir. Même si tu lui mets ça par les oreilles, même si tu lui mets ça par les narines, un jour, elle va plier bagage et elle va dégager. Et oui, tu n'as pas su protéger. C'est toi l'homme. Tu n'as pas su protéger ta femme. Tu n'as pas su protéger ton mariage. Tu n'as pas su protéger ta femme, même des filles du dehors. Je veux dire que lui dit que c'est une place. Une place. Tu veux faire tout ce que tu as, mais fais-le une place. Je ne veux pas entendre que les copines sont montées, les copines sont descendues. Moi-même, si j'ai une amie, je vais accepter qu'on parle que piment. Je ne vais jamais te dire la véracité de ce qui se passe dans ma vie. Oh, Élise, tu vends le piment? Je dis oui. Tu vas là-bas? Je dis oui. Oui. J'accepte tout. Pour que j'évite que tu creuses au-delà de ce qu'on dit de moi sur les réseaux sociaux. Toi, tu n'as pas protégé ta femme. Tu croises une connaissance, Élise, une connaissance, j'en ai pas beaucoup. Tu croises quelqu'un qui se dit, elle va te dire, mais elle vend le piment. Hein. Je préfère. C'est évident que tu fouilles, que tu viennes connaître ce que c'est vraiment dans la vie d'Élise. Vous les hommes d'aujourd'hui, vous aimez les femmes, vous aimez la vie facile. Vous voulez les chaussures, vous voulez tout. On est même prêts. Certaines femmes sont prêtes à tout vous donner ça. Mais vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas capables de protéger vos femmes. Je veux dire que de toutes les ondes, parce que quand j'observe Michel Essoba, vous savez, moi, dans la vie, j'aime bien observer les gens. J'aime observer. Quand j'observe cette fille-là, je vois une femme qui ne demande qu'à se faire aimer. Je vois une femme qui veut... Parce que depuis le temps qu'on voit Michel Essoba, elle est toujours en couple. Hein. Elle est toujours en couple. Donc c'est quand même si vous la diabolisez comme vous faites là, c'est une femme qui est toujours en couple. Ça veut dire qu'elle a quelque chose à donner aux hommes. Pourquoi est-ce que... Bah, elle t'a quitté. Même pas 2 mois, même pas 1 mois, elle était déjà avec un autre. Même pas 2 mois, elle était déjà avec un autre homme. Malgré toute la diabolisation qu'on fait d'elle sur les réseaux sociaux, malgré tout ce qu'on peut dire, un homme, elle l'assume. Il assume. Il monte avec sa compagne, il descend avec, il l'a avec, il l'assume. Peu importe ce qu'on dit. Et il est prêt peut-être à la protéger. Ce que tu n'as pas su faire. Oui. Ce que toi, tu n'as pas su faire à Tangana. Tu n'as pas su protéger ta femme. Ni du monde intérieur. Je veux dire, limitrophe famille. Encore moins du monde extérieur. Parce que le monde extérieur, c'est pire qu'un film de vampire. Tout le monde veut manger tout le monde. Et toi-même, tu sais que ta femme est bankable. Disons-nous les vérités. Hein? Il y a Waka et Waka. Ici dehors. Il y a des Waka 5 euros. On les connaît. Elles sont là.
Il y a des waka qui souffrent. Il y a des waka qui mbinda avec un wat. Un wat ne va jamais donner, lui donner même 500 euros un jour. Ni 1000 euros un jour. Tu connais la force de frappe de Tanga. Quand elle prend dehors, elle ramène et pose sur la table qu'on fait comment. Tu n'as pas su gérer. Parce que tu as cru que, comme elle est déjà là, comme tu lui as donné le, tu l'as épousé, tu lui as donné le papier, donc elle est éternellement là, il faut que tu la maltraites dans la maison. Tu la tapes, tu la maltraites, tes soeurs l'insultent, ta famille la traite de tous les noms d'oiseaux, ses copines de dehors sont là, réclament, tout le monde va manger. C'est comme on dit sur moi que, on croyait quoi? Non, non, pas encore. Vous savez, quand on tombe au village, là, comme au village, tu pars en brousse. Tu pars en brousse, tu vois, dans le champ, non? Tu vois un bananier avec les bananes déjà rouges, déjà bien jaunes. Tout le monde vient arrache, mange pas. Tout le monde vient arrache, mange pas. Tu as vu ta part de régime de bananier que tu as laissé que tout le monde vient prendre son doigt de bananier dessus, mange et part. Comment tu peux être l'époux d'une femme qui gagne très bien sa vie, peu importe comment, et tu laisses les vampires profiter d'elle, manger, chacun vient. Ngrenga, enlève ta femme du lit conjugal. C'est où j'en ai après toi. Ngrenga, enlève ta femme du lit conjugal. Elle se lève du lit conjugal. Elle part dans un coin, soit au salon, soit à la cuisine. Elle cause des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Tu es couché sur le lit. Ta femme est en train de causer avec une femme que elle-même elle cherche où s'accrocher. Elle cherche où s'accrocher. Voilà où tu... Dans les trucs comme ça que tu devais agir, que non. Non. Tu allais commencer par chasser les filles comme Ringo autour de ta femme. Que jamais. Je te veux du bien. Une femme, on la rassure. Une femme, on la protège. Toi-même, tu n'as pas protégé ton foyer. Contre vents et marées, contre tous les vautours qu'il y avait autour de ton foyer, toi, Tangana, tu n'as pas protégé ta femme. Mais aujourd'hui, tu viens pleurer, tu nous pompes l'air. Oh, elle est ceci, oh, elle est cela. Oh, elle a vendu le piment à Reims, elle a vendu le piment au Nord, elle est dans le coin là. Et puis quoi nous fait? Et puis quoi nous fait? Ça change quoi? Est-ce qu'on l'ignore? On ne l'ignore pas. Tu n'as juste pas gardé. Tu n'as. Que ton histoire avec les sommes serve de leçon à plusieurs de nos frères qui sont dehors là. Ne croyez pas que c'est seulement la femme qui doit protéger son mariage. Même l'homme protège sa femme. L'homme protège sa femme contre vents et marées. Quand tu épouses ta femme, tu épouses ta femme pour toi. Tu n'épouses pas ta femme pour ta famille. Tu n'épouses pas ta femme. Pour les gens de dehors, dehors. Tu épouses ta femme pour toi. Et si ta femme a des lacunes, à toi de faire changer ta femme. Rien que toi. Tu n'as pas su le faire. Tu viens ici, tu pleures les pleurs du bolet. Oh, une fois, elle est partie. Elle est partie. Elle est partie. Est-ce qu'elle vit avec une autre femme? Est-ce qu'elle vit avec une autre femme? Elle vit avec un homme. Un homme charismatique. Oui, 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 oui. Actuellement, Michel et Soma est avec un autre homme. Elle n'a même pas traîné dehors. Dans le marché du célibat, que beaucoup sont là, elles pleurent, elles pleurent, elles pleurent. Elles sont obligées de prendre les petits jouets des blancs qui les blancs fabriquent là, mettre là-bas dedans que ça vibre, ça vibre, ça vibre. Elles jouent, elles essaient un peu de dormir. Beaucoup sont là. Elle n'a pas chômé dans le monde du célibat. Mais pourtant, c'est elle qu'on attribue tous les noms d'oiseaux dehors. Oui, c'est elle qu'on dénigre, c'est elle qu'on insulte, c'est elle qu'on dit tout, mais elle est dans les bras d'un homme. C'est toujours bizarre que c'est toujours celle qu'on dénigre qui arrive quand même à trouver les hommes. Vous qui êtes alors les femmes parfaites, maman, le célibatarisme de ça. Maman, les gourdes de ça.
Il y a des nouveaux jouets comme ça, ils sont comme ça. Maman, vous mettez seulement là-bas, ça fait. Tu prends la couverture, tu mets. Tu vas même avoir là, c'est dans le lit un jour. Il n'y a personne qui va s'inquiéter que c'est comment elle n'a pas bougé depuis là, ou elle ne m'a pas, elle m'a pas pété sur la tronche depuis là. Vous êtes ici comme ça, nombreuses. Mais vous êtes sur la fille de tous les matins, midi, soir. Les femmes, il y a femmes et femmes. Si c'est son choix de vie, acceptons que c'est son choix de vie. Vous allez la délivrer matin, midi, soir. Vos vies sont où? Beaucoup sont là. Même en petite économie de 50 euros, elles n'ont pas dans le compte en banque. Je dis que 50 euros. Là, voilà qui est parti toucher 15 000 euros à Rouen. Gringuère, c'est que, pac, la bouche est tombée que, hein, ce n'est plus ma fille. Ma fille, ma fille, n'est ma fille, mais n'est ma fille. Tout bas, poum. Oh, ma fille, ma fille, ma fille. Comme elle a refusé de te donner son argent, parce que maintenant, elle est avec un vrai homme valable. Qui lui dit que ma fille, ma chérie, ton argent, c'est pour toi, c'est peut-être pour des projets. Tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Ngrenga, va travailler. Va travailler, tu ne peux pas être proxénète de ta propre soeur camerounaise. Tu ne peux pas être proxénète de Michel et Soma. C'était au début, elle était naïve. Vous avez détruit son mariage avec Atangana. Parce qu'Atangana lui-même s'est laissé faire détruire le mariage. Si tu aimais ta femme, becs et poings liés, c'est que tu es toujours avec elle. C'est que tu es toujours avec elle. Parce qu'Albi, une fois, quand j'allais avec elle et je faisais ceci, tu. Et bizarrement, c'est toujours toi. Toi, tu faisais pour Michel et Somba. Toi, tu faisais. Mais elle, elle a fait quoi pour toi? Dis-nous aussi tout ce qu'elle a fait pour toi. Tu ne vas pas me dire qu'elle partait travailler tout l'argent que tu nous as dit qu'elle travaillait dehors là. Les 150 000 euros qu'elle avait pris chez le Watt. Ya, mon frère. C'est toi le problème dans la vie de Michel Osombo aujourd'hui. Je le dis, j'assume. C'était toi le problème. Elle a même bien fait de partir. Maintenant, tu pleures beau. Tu as pris 10 ans d'âge. En quelques mois de séparation, tu te ressembles déjà un papa de 70 ans. Maman. Maman, je suis moi dépassée. Maman, je suis moi dépassée. Les hommes de jeudi n'ont plus de conscience. Si tu aimes vraiment, pas le genre là. On ne sert pas le genre là fort. Maman, je suis moi dépassée. Dépassée. Maman, je suis moi dépassée. Les hommes de jeudi n'ont plus de couilles. Si tu aimes vraiment, sers la fort. Attends, on t'a trompé. Tu avais ta part de poule aux œufs d'or. On t'a trompé. Akiaya. Elle t'a dit que fiche-lui la paix. Laisse-la tranquille. Laisse-la vivre. Même si le gars là va la déposer au premier carrefour, demain ou après-demain. Laisse-la jouir de ce petit moment qu'elle est en train de vivre avec le gars banane là. Oui. Ce n'est pas qu'il veut, hein. Ce n'est pas une vilaine fille. Moi, je la vois. Ce n'est pas une vilaine fille, cette Michel. Ce n'est pas une vilaine fille. C'est que, je ne sais pas. Comme on dit souvent que peut-être, comme vous ne voulez pas une dame, une bonne fois, tu accouches ton enfant comme ça, on finit de gâter ton enfant. Pourtant, elle a du potentiel et tout. Mais, si elle se plaît comme elle est là, que elle veut à tout prix vivre avec les hommes, avec un homme. Michel et Soma. Je vais conclure en te disant que toi-même, si ma soeur, pense à tes arrières. Pense à tes arrières. Aujourd'hui, tu es jeune. Dans 10 ans, tu ne vas plus ressembler à la même personne. La femme vieillit à l'homme mal, évite. La femme fan. Nous ne fanons pas comme les hommes. Dieu merci, tu ne fais pas le Ndjang sang. Parce que si tu faisais alors le Ndjang sang, ça allait être le maniaque à ma bobé. Mais je veux te dire que la femme ne vieillit pas de la même manière qu'un homme.
même ton nouveau gars que tu as là, ma soeur, pense à tes intérêts. Pense à ta vie. Pense à ta vieillesse. Pense à ta vieillesse. Pense à ta fille. Parce que cette fille-là, tu montes, tu descends, tu pars dans toutes les soirées parisiennes, où tu tournes, tu tournes. Tu as un enfant qui est là. Pense à elle. Les hommes peuvent, les hommes, ça vient, ça part. Ce qui est sûr, c'est que, comme nous savons tous que tu es banque belle, même les hommes qui nous suivent là, savent que tu es banque belle. Tu es une fille qui touche facilement l'argent. Et apparemment, tu es très généreuse quand tu es en couple. Mais, ma soeur, aujourd'hui, ce n'est pas demain. Après-demain, là, ce n'est pas aujourd'hui. Tu as vu ce qu'a Tangana t'a fait. Tu as vu comment il est devenu aujourd'hui vis-à-vis de toi. Pense à toi, à tes vieux jours. Moi, je dis toujours ici que moi-même, je suis en couple. Je suis mariée légalement. Mais, parfois, je dors comme ça, je dis, hey, l'histoire, si un jour peut finir, je serai dans quel carrefour si ça finit. Je pense à moi. Il y a des choses, moi je ne cache pas mes choses. Hein. Moi je dis, il est là, il m'écoute. Il y a des choses que je dis souvent à parfumer que je ne peux pas faire avec toi ou que je ne peux pas t'aider. Débrouille-toi parce que là je sais que si ça rame, je n'aurai aucun regret. Les femmes qui partent construire les maisons aux hommes dans leur village là, laissez vos hommes construire leur propre maison. C'est le devoir d'un homme de construire sa maison. C'est le devoir d'un homme de construire sa maison. Il travaille, il souffre, il construit sa maison. Les Balorènes, où elle a eu la... Lorraine, tu as combien? Tu as à la dixième maison construite à un homme. Mais vous êtes toujours là, c'est vous qui partez construire les maisons aux hommes. Et c'est vous qu'on botte le cul après. Les balais de choses de Oralam, c'est qui là? Celle qui rêve de moi matin, midi, soir. Elle a construit, elle au moins sa cinquième maison construite à un homme. Vous levez. Et après, vous venez vous comparer à Élise. Je suis une femme très amoureuse. Mais l'amour ne me rend pas bête. C'est ça la différence entre vous et moi. L'amour ne me rend pas teubé. L'amour ne me rend pas bête. Parce que j'estime qu'il y a chaque chose que l'homme doit faire. C'est le rôle de l'homme. Il y a chaque chose où la femme peut faire. Parce que c'est le rôle de la femme. Au moins demain, vous n'allez pas. Vous allez vous pleurer, vous devenez aigri. Je vous ai envoyé aller construire des maisons aux hommes dans leur village. Vous vous rendez compte que vous dormez ici en Bénin. Les maisons que vous avez construites aux hommes au pays, c'est une autre femme qui dort dedans. Et non. Vous venez sur les réseaux sociaux, vous devenez aigri. Vous vous en prenez à une comme Élise. Mungabe Mina. Mungalom Mina. Je vous avais envoyé. Je ne vous ai jamais envoyé aller construire des maisons aux hommes. Attends, là, tu as tout faux dans l'histoire. Donc, tu m'arrêtes ça vite fait, bien fait. Ton petit cinéma que tu veux nous faire là, elle ne reviendra pas. Supporte de la voix heureuse dans les bras d'un autre homme. Supporte de voir Michel et Soba heureuse dans les bras d'un autre homme. Je ne sais pas si c'est son poitou que tu pleures, ou c'est sa bouche que tu pleures, ou c'est son portefeuille que tu pleures, ou qu'est-ce que tu pleures même exactement. Moi, je n'arrive pas à situer les pleurs que tu pleures là. Tu pleures quoi? Ou juste, tu pleures la femme, ou tu pleures l'argent. Il faut nous dire les vérités.
Parce que moi, je ne sais pas ce que tu pleures. Tu pleures la femme ou tu pleures. Tu es là, tu la diabolises, tu la diabolises, tu la diabolises. Tu la diabolises parce que tu te dis que quand l'autre gars, Banenla, va entendre tout ça, peut-être qu'il va dire que je ne veux plus de toi. Oh, je ne veux plus de toi. Le gars a signé indien. Ce que tu n'as pas pu faire derrière, elle, lui, il est prêt. Man dépasse man. L'homme dépasse l'homme ici dehors. Ah oui. Toi, tu es peut-être parti à la mairie avec. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Tu as laissé, quelqu'un d'autre a pris. Il chauffe le moteur. Il chauffe le moteur. Souffre tranquillement dans ton coin. Et que ça te serve de leçon. Parce que nous sommes en Europe. Je parle par rapport à nous de l'Europe. Je ne parle pas aux gens du pays. Les gens du pays vivent que la fiction avec nous. Ils sont en pleine fiction, ils sont là, ils bavent. Mais ils ne connaissent pas vraiment la vie d'ici là. Nous qui sommes ici, toi, Tangana, tu es ici avec nous. Même la prochaine femme avec qui tu seras demain ou après-demain, mon frère, protège-la. Mets des barrières. Mets des barrières. Que ce soit ta famille, tes amis ou ses propres amis, même sa famille. Tu mets le mur de Berlin. C'est-à-dire que tu mets un mur de Berlin devant. Tu mets un mur de Berlin derrière. Tu mets un mur de Berlin à gauche. Tu mets un mur de Berlin à droite. Et tu vis ta vie de couple selon tes principes. Selon comment tu imposes à ta compagne ou ta femme. Tu ne vis pas la vie de couple par rapport à ce que disent les gens ou ce que pensent les gens. C'est ce qui tue beaucoup les mariages ici en Amérique. Ce qui tue nos mariages en Europe, c'est que on ne fait pas la différence entre l'extérieur et l'intérieur. Quelqu'un de l'extérieur, tu prends, tu mets dedans. Ta tante de 1900, ouais, va parler, tu prends, tu mets dedans. Ta cousine qui ne connaît pas ta femme, ni d'Adam, ni de Ève, tu prends, tu mets dedans. Tes copines, tes collègues, tes amis, tu prends, tu mets dedans. Elle-même aussi, ses copines, ses dehors, elle prend, elle met dedans. Un mariage où chacun vient donner son trop de conseils, tu les conseilles. Le mariage, c'est à deux. La troisième personne est un inclus. C'est à deux. Hein? La troisième personne, c'est un intrus. Si tu partages déjà ta vie privée avec une autre personne, il faut faire comme moi. Tu racontes aux gens ce qu'ils veulent entendre. Oui, oui, moi je suis une championne. Hein? Je raconte aux gens ce qu'ils veulent entendre. Oui, tu es là, oui, oui, je savais même. On avait même dit ça. Je dis que oui, tu es dedans. Tu racontes aux gens ce qu'ils veulent entendre. Tu n'as pas besoin de... Parce que au jour que tu dis même une vérité à quelqu'un, quelqu'un va dire, tu es en train de mentir. Maman, tu te rappelles comment j'avais supporté en Tarana ici. Mais est-ce que je refuse? J'avais supporté le gars là ici. Oh. Parce que moi, je croyais que je pouvais réconcilier le couple, que, mais c'est comment? C'est tellement rare de nos jours. Que les gens se mettent ensemble et puis les gens viennent détruire. Alors, qui pleure aujourd'hui? N'est-ce pas, c'est l'homme qui pleure. Protégez vos mariages. Quand vous niorcez votre gars dans la chambre, vous êtes à deux. Il n'y a pas le père qui vient niorcer à ta place. La mère ne vient pas niorcer à ta place. Les soeurs, les cousins et cousines, les gens à la con qu'on ne connaît même pas qui ils sont, d'où ils viennent, ne viennent pas gnoxer à ta place. Tu la gnoxes seule. Les copines de dehors là, ne viennent pas gnoxer à ta place. Si vous n'avez pas su protéger votre corps. Mais moi je pense que c'est ça. Tu n'as pas protégé ta femme à Tangana. Tu ne l'as pas protégée. Tu ne l'as pas. Mais elle est partie. Peut-être qu'elle est maintenant où quelqu'un lui donne toute l'attention du monde. Quelqu'un n'écoute pas les hommes dits. Un homme qui écoute les hommes dits, même les hommes dits familiales, c'est un signe de faiblesse.
C'est un homme sans couilles. Parce que même dans ta propre famille, il y a des ongles. Même dans ta famille, dans ton couple, même moi, même si. Ça veut dire que comme il y a des ongles dans la famille de l'homme, c'est comme ça aussi qu'il y a des ongles dans la famille de la femme. Mais c'est à vous de dire que vos ongles, c'est pour vous. Et que c'est mon téléphone. Ça a sonné. Alors, c'est qui peut venir sonner ici à cette heure? Mon caro, beaucoup sonné. Ma caro, non, beaucoup autour. Un bel, il m'aura bête. Vous avez entendu sonner, non? Bah voilà, moi aussi j'ai entendu. Ngrenga, est-ce que Ngrenga, elle-même, le mariage est dur pour elle. Elle a vécu, c'est combien d'années de vie, on reste aussi avec Dikalo. Achille Dikalo. Elle a vécu où c'est combien d'années avec. Le gars n'a jamais fait le tequé porte. On n'a pas vu ici. Est-ce que vous savez que parfois vous êtes dans votre foyer? Vos copines dehors vous envient. Mais c'est ta copine de dehors qui va trouver tous les défauts. J'ai dit que tous les défauts du monde à ton gars, que toi tu vis avec à la maison. Mais c'est la fille du dehors, ta copine de dehors qui va dire. Ton gars là, il est comme ci, hein, il est comme ça. Hein. Toi-même qui vis avec, tu ne vois pas les défauts là. Hein. Mais elle qui est dehors, elle voit tout. Ngrenga. Ngrenga voulait seulement que Michel et Soba sortent dehors. Elle recommence à tout malheur le peuple de haut niveau. Haut niveau. On met tout bien un peu là, ce n'était plus assez. Elle voulait seulement que elle tout le peuple de haut niveau. Vous venez la nourrir, elle est gagou. Oh, envoyez-moi les oranges. Envoyez-moi les oranges. Ma fille, Michel et Soba. Une fille, Michel et Soba, ton âge. Peut-être même ton aîné, mais tu es sa mère. On peut être mangeante comme ça, Dama. On peut être mangeante comme ça. On peut être mangeante comme ça, ma soeur. Tu as enlevé tout fait. C'est vous qui avez monté la tête à Michel et Soba de quitter son foyer. Son mari ne l'a pas su. Parce que une comme Élise, ce que tu aurais dû faire, ce que tu aurais dû faire au début là, c'était qu'une fille comme Ngrenga, tu la barrais dans la vie de ta femme. Pourtant, entendre quand moi-même je tends l'oreille aussi du Japon, on dit qu'elle était soumise à toi. Hein? Ça, tu ne peux pas venir nous dire qu'elle n'était pas soumise à toi. On dit qu'elle était soumise à toi. Même les histoires d'internet là. Eh bien, voilà ça que ça sonne encore. Il a ça a sonné. Oui, ça sonne. Mais non, on va comprendre. Ne parle pas là-bas au lieu. Comme ça que tu vas faire qu'on n'est pas là, tu pars, tu ouvres la porte comme si c'est. Tu connais qui sont. Bonne nuit, maman. Tu vas déjà dormir? Oui. Tu es fatiguée? Non. Mais tu vas aller au lit? Non, c'est mon papa qui m'a dit. Bah, il te dit d'aller au lit comment? Demain, on est là. Il y a grève demain. Tout est fermé, non? Il y a même quelle heure? Aucun de mes téléphones ne donne le. Pardon, quelqu'un peut me dire quelle heure il est là? Il est tard. J'arrête la vidéo là. Protégez vos mariages. Les gens n'aiment pas voir les gens heureux. Les gens viennent toujours trouver des défauts sur vos épouses et vos maris. Les défauts que même vous ne voyez pas. Les défauts que vous-même vous ne voyez pas, mais les gens de dehors vont toujours venir trouver les défauts pour vos maris dans votre maison. Et vous conseillez. J'ose espérer que Michel et Soma, tout ce qui s'est passé avec Atana là, tu ne vas plus refaire les mêmes bêtises avec le gars Banen là. J'espère. Bon, comme tu m'as mis Ngrenga de côté, je suis bien d'accord avec toi. Tu m'as botté le cul de Ngrenga. Tu me l'as botté le cul. Et puis arrête aussi de donner les oranges à tout le monde qui t'entoure. Les oranges que tu envoies même au désert là.
Arrête ça. Tu as vu comment il t'accroche, non? Les oranges que tu envoies souvent au désert, là, n'en vois plus. Celui-là, il doit devenir, il doit manger le sable du désert. C'est tout ce qu'il mérite. Et chers frères et sœurs, vous êtes là, vous me suivez. Personne ne me dit là qu'il est. Ok. Ma part de followers aussi. Oui, il y a déjà trop d'intrus dans mes. Je vais un peu recommencer à bloquer les gens. Hein. Il y a l'impression que vous avez trop créé des faux profils pour revenir ici. Il y a trop de nouveaux faux profils. Que les gens, si. Je dis que l'autre jour, si, je dis que. Parce qu'il y a des nouveaux faux profils sur la page. Si, c'est. Vous êtes allé recréer des nouveaux faux profils. Parce que quand ce sont mes gens qui sont là, je leur dis que c'est comment, ça fait combien de temps que je suis là, on me dit vite. Mais vous les nouveaux arrivés, si, comme vous voulez vous faire discret. Voilà, un nouveau faux profil, champion, merci, mais tu sors d'où? Je n'ai jamais vu de faux profil de champion, si. Nouveau faux profil, je ne connais pas, champion, ou à soivé. Tout le monde cachera un faux profil pour venir. C'est ça. 22h55. Finissons alors avec 5 minutes. On va conclure. On va dire à celui d'Atana que arrête de venir nous pomper l'air. Elle est partie. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Mais que ça te serve aussi de leçon, parce que tu es un homme. Donc voilà qu'on dit que tu as déjà quelqu'un, tu es en couple. On dit que ton palmarès en bain, c'est faire les enfants métis. Et comment ça? Un homme est gay. Vive tantôt à ma chérie, aimée. Pas fumer me gêne. Je vous dis ça, c'est pour vous. Tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est pour vous. C'est pour vous, les nouveaux mariés, les nouveaux en couple, les nouveaux ceci, les nouveaux cela. Une vraie femme mariée ne doit pas avoir beaucoup de copines. Si tu veux protéger ton foyer, tu ne dois pas avoir beaucoup de copines. Tu ne dois pas avoir beaucoup de confidents. Même les confidences là, de ton foyer, réfléchis à qui tu te confies. Réfléchis bien à qui tu te confies. Parce que je vous dis que même nos propres confidences sont devenues des armes contre nous. Mieux tu broies le noir là. Sauf si c'est la violence physique. Si c'est la violence physique, il y a des autorités compétentes ici en France pour ça. Mimi, vous êtes chez vous. Oh, vous invitez tous les bordels de dehors là. Je voyais souvent dans les vidéos ici, de votre foyer, à Tangana et Michel et Soba. Je voyais souvent vos vidéos ici. Vous invitez les gens chez vous. Oh, les gens même que tu te dis que ceci, c'est qui? Vous-même, vous n'avez pas protégé votre vie. Vous n'avez pas protégé votre mariage. Vous n'avez pas protégé votre vie de couple. Votre vie de couple, c'était le sasayé. L'homme toc-toc là-bas, la femme toc-toc ici. L'homme parle là-bas, la femme parle là-bas. Donc, si vous refaites les mêmes bêtises que... Attendez, je vais encore. Ah, je vais me coucher. Je profite comme ça, demain, tout est fermé. Je vous ai donné des conseils qu'il fallait aujourd'hui. On épouse la femme pour soi. On n'épouse pas la femme pour la famille. On épouse la femme pour fonder une famille. On protège sa femme. L'homme protège sa femme. L'homme évite à sa femme d'avoir trop d'amis. L'homme, c'est le garant de son couple. La femme, comment on dit pour l'homme là? C'est comme ça on dit, je suis pour la femme. Une femme
marié dans un foyer, même si marié, même si c'est le bien, on reste, ne doit pas avoir beaucoup de copines. Les copinages gâtent le foyer. Une femme qui est dans le foyer ne peut pas avoir des comportements de sa copine qui est dehors, qui n'a pas de gars. Parce qu'il y a toujours des copines qu'on a dehors ici, là, que... Donc, est-ce que tu es mariée? Est-ce que tu vis avec un homme? Mais si elle a un rencard quelque part dehors, dehors, c'est elle, c'est toi qu'elle appelle. Non, ah, qu'elle vient, ah, tu es ma copine, viens, non, on ne va pas durer, viens vite, tu prends tes deux pieds, tu abandonnes ton foyer, tu pars accompagner ta copine dans l'Enjoka. Est-ce que tu es dans ton monde? Ta copine est dans son Enjoka, où elle se cherche? Toi qui es là, accompagné de ta copine, tu fais quoi là? C'est ta place. C'est moi, on dit souvent qu'elle disait vieux jeu, je suis vieux jeu. Moi, je préfère être vieux jeu. Parce que peu importe ce qu'on peut dire de moi dehors, mais ici là-dedans, le type si c'est que je prends ma place propre. Et le plus souvent, je suis désagréable avec les gens qui entrent chez moi. Parce que je ne veux pas d'intrus. Donc je te marque dans ton cerveau à vie. Tu vas dire, Élise-là, Élise, lui, pas avec. Ne reviens plus. Quand mon mari me protège, je me dois aussi de le protéger comme ça. Et vous allez voir que les années vont passer. Les années vont passer. Les années vont passer. Vous serez toujours ensemble. Les gens vont toujours parler à gauche, parler à droite, juger, tout dire. Mais vous êtes là. Vous êtes à deux. Vous n'êtes pas à deux parce que les gens vont venir vous juger. Bon, sur ce, hein. Bonne soirée. Demain, nous sommes là. Bonne soirée à vous là-bas. Demain, nous sommes là parce que demain, c'est férié. Demain, c'est férié. C'est férié. Demain, ce n'est pas férié. Demain, demain, c'est la grève. Les gens grèvent demain. Demain, toute la France est dans la rue pour contester contre la loi. La loi, quand on vieillit là, comment on dit ça? La loi des retraites. Beaucoup de choses, vous voyez, chez nous ici, l'école est fermée. Je ne sais pas chez vous s'ils ont fermé l'école, mais ici, chez nous, l'école est fermée. On n'a pas où garder les enfants. Résultat, on va rester à la maison, nous-mêmes garder nos enfants. Donc, comme demain, je serai là, toute la journée, je vais peut-être vous faire une petite vidéo selon comment le vent nous emporte dans les réseaux sociaux. Moi, je vous ai dit que j'avais mis mes organes dans l'histoire-ci. Donc, comme le gars là, est sorti là, je lui ai dit que non, je ne suis pas d'accord avec lui. Je vous souhaite une bonne soirée. Allez dormir, il est tard, il est 23h. À bientôt.